Opération activant le boycott actif. Opération activant le boycott actif. Fausse élection du 9 février 2020. Fausse élection du 9 février 2020. L'Union des artistes du changement du Cameroun appelle tous les Camerounais à boycotter activement, massivement et totalement les fausses élections du 9 février 2020. Nous appelons également au boycott actif et total de tous les partis politiques de l'opposition qui, malgré plus de 12 000 morts, qui pour des intérêts personnels et égoïstes, ont décidé d'aller à ces fausses élections pour encourager Biapol à s'éterniser au pouvoir tout en lui donnant la possibilité de nous exterminer. Chers compatriotes, peuple camerounais, l'Union des artistes du changement du Cameroun persiste et signe. Il n'y aura pas élection au Cameroun tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu définitif et un retrait définitif des soldats de la milice génocidaire Biapol en zone anglophone. Il n'y aura pas élection au Cameroun tant que tous les prisonniers politiques ne seront pas libérés. Il n'y aura pas élection au Cameroun tant qu'il n'y aura pas un vrai dialogue national inclusif. Il n'y aura pas élection au Cameroun tant qu'il n'y aura pas un nouveau code électoral. Il n'y aura pas élection au Cameroun tant que le vieux génocidaire Biapol et ses complices ne seront pas arrêtés et jugés par la Cour pénale internationale. C'est pourquoi nous appelons tous les partisans du changement, tous les Camerounais soucieux de l'avenir de la nation, à boycotter massivement, activement et totalement les fausses élections du 9 février 2020. Participer à ces bêtises d'élections, c'est soutenir ouvertement un homme qui, à lui seul, a déjà effacé de la surface de notre pays plus de 12 000 hommes, femmes, enfants et bébés. Les urnes, le changement dans la paix, n'ont jamais renversé un seul dictateur dans le monde. Par conséquent, l'Union des artistes du changement du Cameroun appelle au renversement des urnes le 9 février 2020 pour tenter de mettre le dictateur génocidaire Biapol alias Tranwi hors d'état de nuire. La résistance continue, s'annonce longue et très rude. Signé, l'Union des artistes du changement du Cameroun.